Bonsoir, S6Bli. Depuis la nuit des temps, les armées des cieux et des enfers se livraient une guerre sans fin. Le Conseil Ardent se retrouva mêlé au conflit. Cette entité tenue par d'anciennes lois pour maintenir l'ordre et l'équilibre statua que toute grande puissance non maîtrisée constituait une menace contre l'univers. Avec le temps, les cieux et les enfers honorèrent le Conseil et ses lois, car nul ne pouvait échapper à la prompte et terrible justice des enfers. Une redoutable connue comme les quatre cavaliers. Dans cette agitation, les premiers humains apparurent. Le Conseil pressentit que ces créatures faibles mais rusées constituaient un élément essentiel de l'équilibre. Ainsi, un troisième royaume fut créé, le royaume des hommes. Bah, c'est Wicked. Sur l'ordre du Conseil, une trêve fut conclue entre les cieux et les enfers. C'est quel jeu? C'est Darksiders. Marqué de 7 sous. Principalement, c'est le Warcraft Red Edition. Les hommes seraient prêts pour la guerre ultime. Je sais pas si tu connais Darksiders. Qui rétablirait l'équilibre et déterminerait le sort ultime des trois royaumes. Ce jeu, c'est un portage du jeu qui était sorti sur PS3. Il s'appelait Darksiders. Et là, du coup, c'est Darksiders, mais version améliorée sur PS4. Donc moi, ce jeu, en fait, je m'ai découvert, mais j'ai déjà joué sur PS3. Je sais pas si je l'avais fini celui-là, peut-être pas, c'est le 2 que j'ai dû terminer. Ouais, bah il est pas mal. Bon, après, tu vas voir hein, que on sent quand même qu'il a de l'âge, le jeu, hein, même si c'est une version rehaussée. Mais ouais, c'est pas mal. Bah après, c'est un bon beat'em all, quoi. Et ouais, c'est pas mal. Franchement, j'ai bien aimé. C'est bien nerveux. Le gameplay, il est là aussi. Donc, faut aimer après le style de jeu. Hein. J'avais bien aimé sur PS3, là, sur PS4. Alors ça raconte quoi? Je me rappelle plus. Attends, je peux te lire le résumé si tu veux. Alors, c'est trompé par des forces du mal et ayant provoqué prématurément la fin du monde, War, le premier cavalier de l'Apocalypse, est accusé d'avoir violé la loi sacrée en déclenchant une guerre entre le paradis et l'enfer. En gros, c'est ça quoi. Donc c'est avec des monstres de l'enfer quoi. Je rappelle quand même que le jeu il est interdit au moins de 18 ans. C'est sur la jaquette et comme vous ne pouvez pas voir la jaquette, c'est bon. Ouais. Bah il est bien en fait, alors le 2 je sais pas s'il était reporté, il a été porté également sur PS4 parce qu'il y avait le Darksiders 2 qui était sorti sur PS3, mais je sais pas s'ils ont fait aussi une version réussie du 2. Par contre il y a eu le Darksiders 3 qui est sorti aussi sur PS4 et le Darksiders Genesis, mais là qui ressemble plus à un Diablo-like en fait. Je sais pas si tu connais ce jeu. Donc voilà. Ah ouais, c'est là. Je l'ai aussi sur Switch, parce que là j'ai joué, je l'avais acheté aussi sur Switch. Et je trouve que bah, sur PS4, c'est bien, bien nerveux. C'est vachement cool. C'est carrément plus fluide sur PS3. Hein. Déjà il est plus propre, il est en résolution. Franchement, je m'attendais à des pixels un peu plus grossiers. Alors à voir sur les deux. L1, R2. Ah, il n'y a pas de soucis.
pas grave, après je te fais découvrir les premières minutes. Si je sais pas s'il est encore abordable. Bon après il y a la version aussi. Il y a la version du map aussi. Mais moi je pense que c'est beau. Peut-être pas le Genesis où là le Dark Souls Genesis est complètement différent. Sauf pour les joueurs qui auraient bien aimé Diablo 3. On m'entend pas beaucoup. Ok, alors, parce que j'avais baissé pourtant. J'avais baissé le son tout à l'heure. Mais bah, je vais rebaisser encore. Je peux mettre à 50. Ouais ouais, non c'est ce que je vais faire, mais je l'avais déjà fait tout à l'heure. Je l'ai déjà fait tout à l'heure, mais peut-être pas assez, donc là je le mets à 50%. Ah, faut pas hésiter à me dire. Là, est-ce que tu m'entends mieux? Après, je parle pas très fort parce que j'ai ma fille qui est en train de dormir. C'est pour ça que je parle pas très bien. Ouais, c'est déjà mieux. Ouais, après si c'est pas assez, faut pas hésiter. Je rebaisse encore le jeu, y'a pas de soucis. Ok, ça marche. Bah, bonne soirée, Sabrix. Ouais, à une prochaine. Bon week-end à toi, merci pour ton petit passage.
la donne. Que se passe-t-il? Où sont mes frères? C'est pas possible. Le dernier sang. Maître! Comment ça a bien pu arriver? Le septième sceau n'a pas été brisé! Au nom des cieux, qu'as-tu donc fait? Je réponds à l'appel. Si tu m'entends bien, logiquement j'ai baissé le son du jeu donc ça devrait être bon. La loi a été brisée.
c'est deux. Hein. Cavalier. La loi est claire. Si le septième sceau est brisé, quatre cavaliers seront envoyés pour punir le traître. Qu'ils soient fils des hommes, seigneurs des cieux, villes créatures des enfers, ceux-ci seront jugés sur terre, et un nouveau pacte sera conclu. Vous avez enfreint votre mission, cavalier. Vous avez enfreint la loi. Personne n'a été appelé, mais le destructeur s'est avancé, et vous avez été trouvé là, sous la bannière des ténèbres, si ces accusations sont vraies. Au diable, vos accusations! Les sceaux ont été brisés! J'ai été appelé! Alors où sont les autres cavaliers? Ne devraient-ils pas avoir été appelés? Les sept sceaux sont cachés. Depuis le moment où le pacte a été conclu, il y a une éternité. Tous étaient intacts. Personne n'a été appelé. Vous avez aidé les forces des ténèbres. Vous avez brisé un contrat sacré qui a condamné l'humanité et qui a mis en péril l'équilibre. Le niez-vous? Quand je suis arrivé, les cieux et les enfers étaient déjà en guerre. Abaddon était là. Il savait quelque chose. Abaddon est tombé en combattant le chaos que vous avez déclenché. Je me suis battu impuissant face aux démons. Et pourtant, vous m'accusez. Votre défaite ne prouve rien. Le destructeur vous a probablement laissé tomber quand il en a eu fini avec vous. Vous avez profané la loi, cavalier. Vous devez être puni. Je ne suis au service que du conseil. J'œuvre pour l'équilibre. Il en a toujours été ainsi. Renvoyez-moi. Je veillerai à punir les coupables. Comment ? Quelle est votre chance face aux armées du destructeur ? Vous êtes impuissant ! Alors j'échouerai, et les démons auront mis votre sentence à exécution. Très bien. Nous allons vous renvoyer sur Terre. Mais nous garderons un œil sur vous. Approchez. Les âmes des morts seront votre monnaie d'échange. Certains ennemis sont plus faciles à acheter qu'à tuer.
Depuis quand le Conseil traite-t-il avec les démons ? Depuis que la trêve a été rompue, certains démons ont été bannis par le puissant destructeur. Vulgrim fait partie de ceux-là. Il nous réclame une audience depuis longtemps. Depuis combien de temps suis-je ici ? N'a pas été très plaisant. Passez vite, cavalier. Est-ce qu'un nouvel ordre ? Je suis ton seigneur et maître. Quand je dis à boire, tu aboies. Quand je dis assis, tu t'exécutes illico. Et si je dois te punir, tu n'as pas intérêt à montrer les dents. Tu glaives. Je devrais peut-être t'apprendre à faire le mort. Brave bête. Vraiment essayer de détruire tout en fait dans ce jeu.
de temps, j'étais absent. En temps terrien, environ 100 ans. Assez longtemps pour qu'il n'y ait plus âme qui vive par ici. Alors, le troisième royaume est perdu. Subtil. Je ne t'ai presque pas entendu arriver. Vulgrim. Le Conseil a enfin considéré ma requête. Dans ce cas, tu n'es sûrement pas venu les mains vides. Tu peux repartir d'où tu viens. Il y en avait de très jeunes, remarquables. Tu cherches la puissance derrière celui qu'on nomme le Destructeur. Tu trouveras les réponses à tes questions et la source de sa puissance, là-bas. Tu es donc si pressé de mourir. Tu n'es même pas l'ombre de toi-même. Ce serait du suicide pur et simple. De plus, le chemin qui mène à la tour est enveloppé de magie obscure. Je ne le connais même pas moi-même. Qui alors ? Satisfais ma faim. Et je satisferai ta curiosité. Thank you.
purée de cul. Ouais, ça fait un bail. Comment ça va? C'est le son du jeu, j'ai l'impression qu'on m'entend pas très bien. Ah, t'as eu des gros changements? Des changements positifs? Ah, c'est ça que je voulais faire. Je vais baisser un petit peu. Hop. Tac. Bon, faut que j'aille voir le gars là, du coup. D'accord, ok. Bah après, je vais dire un truc. Ils vont être obligés de l'accepter, hein. Si tu te sens mieux comme ça, franchement, tu peux accepter encore plus, tu vois. Ces anciennes il y en a sûrement, enfin il y en a toujours un qui vont jamais. Mais avec ceci, trouve la prison de Samael. Autrefois, c'est pas facile la puissance de Samael était proche de celle comme ça. Du prince des ténèbres, supérieur même, d'après certains. Mais ouais, si ça peut te. Ce changement, en tout cas, si c'est ta vraie personnalité, franchement, faut pas te cacher. Quand tu auras réuni les autres vont s'habituer à ça. Je serai récompensé. Enfin, je veux dire, ils vont s'habituer à ce changement, quoi. D'accord, faut peut-être que j'équipe. À GTA 5, PS3. Alors, c'est fermé les serveurs. Nous sommes libres. Tu joues à quoi personne du coup? Personne n'est libre tant que le destructeur respire encore. Le destructeur, oui. Ah non, c'est pas toi qui jouais. Ah, je confonds avec Red Builder. Enfin, à quoi tu jouais déjà Red Skull en. Donc, ses ennemis sur console, je me rappelle plus à quel jeu tu jouais. Amis. Passe donc, ami. Apporte la victoire. Switch PS4. Apporte. Et j'étais en ami sur Switch. J'ai tellement. C'est vrai que j'ai eu tellement de. Bah... Ah bon, si on n'est pas amis. Hein. J'ai hâte de voir ce qu'il y a derrière. Je croyais. J'ai tellement de monde que. Enfin, bref, c'est vrai que. Puis
quand les pseudos changent, bah je me rappelle plus qui est qui quoi. Du coup, tu joues à quoi en ce moment comme jeu? En quoi peux-tu aider l'humble marchand que je suis? Ah! Oui, c'est peut-être possible. Tu trouveras peut-être des objets qui m'intéressent tout. Red Skull, ouais, tu m'enfilais, ouais, c'est vrai. Des artefacts de la Légion perdue. Si tu trouves. Mais des ah oui, artefacts de je me rappelle que j'avais un mentor dans ce jeu-là. Être reconnaissant. Et je me rappelle plus comment il s'appelait déjà, mon mentor. Moi, je pourrais l'acheter. Et j'y rejoue un petit peu hein, d'ailleurs à Mario Maker 2. J'essaie de remonter un petit peu mon niveau mondial. Legend Pokémon Arceus et Fortnite. Ah, alors il est comment Arceus? Parce que je l'ai moi, enfin je l'ai acheté mais j'ai pas joué encore. Il vaut le coup pas? Parce qu'il est complètement différent des autres. Ouais, bah après enfin c'est comment dire, le jeu vidéo on a deux périodes hein, je sais pas, c'est beaucoup l'hiver, du coup je suis plus à vouloir me poser en livre. Ouais, est-ce que c'est un truc en univers je crois Arceus. J'ai pas vu de let's play parce que j'ai pas envie de me donner. Il y avait Pokémon Diamant Perle, t'avais joué du coup aussi. J'aime bien, on parle de Pokémon sur Darksiders. Un truc bien gore. Et on parle de Pokémon. Ah, je peux pas. Bah, normalement, mon guide il était là. La prison de Samael doit être fermée. Ouvre l'œil, ou je te l'ouvrirai moi-même. Je peux pas passer par là, je crois pas. Ça me semble, c'est encore trop tôt. Ça fait des points. Et là, je peux pas y aller là. Ah ouais, puis je me rappelle plus. S'il faut que je monte là. Allez, on va voir ça.
Non, truc complètement con, le film Monster Family sort cinéma en France en décembre du matin et monsieur mais les origines. Monster Family. Bah, je connais pas Monster Family, c'est quoi comme style de film? C'est un film d'animation? D'accord. Ah, je connais, enfin je connais, je connais pas en fait. C'est tiré d'un jeu vidéo et c'était déjà un film d'animation à l'origine. Je suis revenu acheter 329. Ah si, trancheur démoniaque, je pourrais épée. Ah, les objets j'évite. Ça au pire. Tu es tout aussi. J'attends à peu près les idées en avril avec les deux Monster Family. Oh bah c'est bientôt. tu vas pas trop attendre. C'est pas mal ça. En quoi petit et humble marchand que je suis. Avril c'est le mois prochain quoi. Alors je sais pas où je dois aller. Ici, ça doit être un coffre. La prison de Samael doit être fermée. Ouvre l'œil, ou je te l'ouvrirai moi-même. Darsan Forel, le film sorti au cinéma à 5€ moins cher que seuls les origines coûte 1€. 10€ seul, ah ouais. Ouais non, vu qu'il est au cinéma, c'est pas de... Enfin ouais, ils s'en foutent plein les poches au cinéma. J'espère que... Ouais, bah c'est cool, en fait. Ils vont peut-être le sortir aussi en Blu-ray. Hein. DVD coûte 15€, 20€ le coffret DVD avec les... Ah ouais, c'est franchement ça va, c'est gérable. Il y aura un Blu-ray que pour le 2. Ah d'accord. Ah ils sont malins. Hein. C'est le 1 pour quel direct. Ouais, c'est bizarre qu'il continue à sortir sur ce support en fait, DVD. C'est dépassé maintenant DVD quand même. J'ai acheté deux DVD aussi, hein. C'était au mois de janvier. Qu'est-ce que je m'étais acheté? Je m'étais acheté bah, vraiment des vieux films. Hein. Je m'étais acheté Chéri, j'ai rétréci les gosses et Roger Rabbit.
des films que j'avais pas revus depuis, depuis les années 90, donc ça date. Et il n'y avait pas en Blu-ray, bah, je les ai pris en DVD. Même les Blu-ray, je trouve que ça baisse vachement. Je m'étais chopé en Blu-ray, je m'étais chopé les 4 films de American Nightmare, je sais pas si tu connais. Et le Blu-ray, il était à 7 balles. Donc les 4 Blu-ray, j'en ai eu pour 28 euros, quoi. Même pas 30 balles les 4 films. C'est le premier spectacle de Malik Bentala, les tutos de Jérôme Niel et les pingouins de Madagascar. Ah ouais! Ah ouais, ça date alors! Après, je connais, il y a un 5e film. Ah ouais, bah je suis à la masse alors. J'ai vu pour l'instant, j'ai vu que 1 et le 2, je vais peut-être commencer à voir le 3, je me rappelle plus. Mais le 4 et le 5, puis bah, c'est encore moins le 6e, j'ai pas vu. Mais moi c'est vrai que là les DVD, je suis plus en mode j'ai envie de m'en débarrasser. Mais ça m'a pas empêché de m'en racheter quand même. Enfin, on va chercher des films pour la famille, tu me diras aussi. C'est pour ça que je les ai achetés. Bon, alors je me rappelle plus où faut aller. C'est vrai que je sais pas qu'est-ce que tu regardes toi en ce moment à la télé. Enfin tes programmes télévisuels. Des fois à la télé il y a tellement que dalle que on va regarder un film sur internet ou des trucs comme ça. La DVD édition limitée de web série Canal Plus. Web série de Canal Plus. Ah, je savais pas qu'ils avaient fait ça Canal Plus. Je suis un peu arriéré, ouais. C'est vrai que je regarde pas trop les. Et c'est des trucs qui sont vieux ça ou pas? Bon alors, je suis embêté. Je sais pas où fallait. Qu'il y a le truc jaune, à mon avis, il faut que j'aille là. Je vais aller voir si je peux pas m'améliorer un peu le truc. Pardon. Ah ouais, ouais, ça date. Ça date vachement bien. Ouais, il y a peut-être plusieurs saisons, tu me peut-être. Ah ok d'accord, action. Il y a des trucs là? Ah oui, il y a des trucs. Ok. On va démolir un petit peu les trucs. Ouais, c'est vrai que Canal Plus, moi, c'est... Quand on parle de Canal Plus, je pense tout de suite au guignol de l'info. Mais... Je crois que ça existe plus, ça les guignols de l'info. Ok.
Bah ouais, moi c'est pas pareil, j'ai pas Canal Plus, mais je sais que quand je vivais chez mes parents, mes parents avaient Canal Plus et ils mettaient ça le soir. Il y avait les guides de l'info. Et Molotov TV. C'est quoi Molotov TV? Le gars, tu vas me prendre pour quelqu'un qui connaît rien du tout à la télé, mais en fait, je regarde plus des trucs en fait, des mangas en streaming, des choses comme ça, donc c'est... Ah, ADN, d'accord. Ça par contre, ADN, c'est payant ça. Bah ça, ouais. Moi je suis en train de regarder ton concurrent d'ADN pour l'instant. Et si la dernière fois que j'ai vu un truc c'était plutôt TV. Plateforme de streaming gratuit. Ouais, s'il faut que j'aille. Il y a Crunchyroll aussi, ça c'est un truc apparemment ils ont racheté Wakanim, Crunchyroll, ça va être un truc de fou ça si t'aimes les mangas. Mais pareil, il faut payer, je crois que c'est 5 balles par mois. Là par contre le catalogue va être ça va être monstrueux. J'en reviens au début là. J'allais de l'autre côté. Non.
Ah ouais, je m'en rappelle. Je m'en rappelle de tout ça. Claqué. Tout petit peu fatigué. Petit et humble marchand que je suis. Alors, objet. Tu es tout aussi sage que puissant. Peut-être que j'équipe des trucs, non? Voilà. Je crois pas. J'ai sauvegardé de toute façon. Je vais m'arrêter là. Ce sera bon pour aujourd'hui. C'est un petit moment que j'avais pas joué. Enfin, j'avais juste testé sur Switch il y a quoi 3-4 mois. Mais j'étais pas jusque là. Et c'est pas mal. Bon bah ça va être bon pour ce soir. Je sais pas si je vais refaire demain soir, peut-être, je sais pas, je vous garantis rien. Hein. Sinon bah je sais pas quand je referai, mais de toute façon
Même si je refais pas, c'est quand même un jeu que j'adore. Darksiders, c'est un jeu que j'ai bien aimé faire sur PS3. Donc, encore une fois, c'est un jeu que je recommande sans problème. Pour les personnes qui n'ont pas essayé sur PS3, franchement, foncez. La version sur PS4 est vraiment propre. Bon, bah, ce sera tout pour ce soir. C'est la fin de ce live. Merci beaucoup à toutes et à tous pour avoir assisté à cette petite découverte ou redécouverte. Merci à toutes les personnes qui sont venues faire un petit coucou sur le chat. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de soirée. Et puis, de toute façon, on se retrouve prochainement pour un autre live. Je ne sais pas quand, mais surveillez bien vos notifications sur Twitch. Et puis comme ça, on sera informé rapidement quand je lance un live. Allez, bonne soirée, bon week-end à tous.